Ça y est, mes petites catins, aujourd'hui, recette de la ratatouille, pour ceux qui savent pas faire. Courgettes, poivrons, aubergines, tomates, oignons, de l'ail, des herbes de Provence, j'ai que ça, hein, désolé, faites pas chier. Et de la super huile d'olive, super pression à froid, génial, super. Maintenant, on les lave tous ces putains de légumes. On y va. Voilà, on lave bien, on lave bien. On n'a pas mis l'ail, hein. L'ail il est épluché, donc il n'y a pas besoin de le mettre là, ok? Tiens, mettez un peu de vinaigre blanc. Vinaigre blanc, vous avez? Tiens, regardez, hop. Voilà. Merci, vinaigre blanc. Ma femme, elle adore les vinaigres blancs. Maintenant, le taillage des légumes. Alors, on n'est pas au gastro, hein. On fait ça comme à la maison, bonne franquette, quoi. Hein. Donc, une bonne planche. Bien bloquée, hein. Pas que ça bouge, sinon on bosse comme des cons. Et un pétard. Un bon couteau. Bon, ça, c'est pas un bon couteau, ça coûte 3 balles, mais bon, tu fais un coup de fusil, au bout de 2 secondes, c'est fini, quoi. Et quand ça coupe plus, tu fous la poubelle, t'en bats les couilles, tu vois. Coquine, on va commencer à les cuire. Excusez-moi pour si on voit mon ventre. Hein. Le confinement, ça m'a pas aidé. De l'huile d'olive, on en met l'huile là. Voilà, on met l'huile d'olive. Voilà. Faut bien faire compoter tous les légumes. Ok? Commencez par faire suer l'ail et l'oignon. Puis ensuite, ajoutez les courgettes. Puis les poivrons. Et finir avec l'aubergine et la tomate. Une fois qu'on a mis tous les légumes, moi ce que je fais, je prends un peu de sel pour pouvoir faire dégorger un peu les légumes. Après moi, voilà, je branle un peu le chien. Voilà. Après je l'ouvre. Voilà. Et en plus, ça lui ferme la gueule. Là, on entend plus rien que depuis tout à l'heure. Je baisse un peu le feu et je laisse un peu mijoter, compoter. Alors après, j'entends déjà les langues de bœuf, les langues de puce qui disent oui, on fait pas comme ça la ratatouille. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, bon, moi je la fais comme ça. Bon, voilà quoi, c'est ma technique. Après, je suis pas le meilleur. Donc voilà quoi. Allez, on laisse mijoter une petite trentaine de minutes. À feu moyen. Allez, voilà. 30 minutes plus tard, à peu près, hein. Grosso merdo. Voilà. On va revoir notre ratatouille. On met les petites herbes du chef du Cro. Voilà. On rectifie saisonnement. Moi, je sais que j'ai été un peu juste tout à l'heure avant la cuisson. Donc, j'en mets un chouïa. Ouais. Poivre Belle France, voilà. Et voilà mes coquines, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster, on va goûter. Voilà, et voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis bon? Oh, c'est bon. Elle est bonne la ratatouille à Roro, dis donc. Putain. Bon bah voilà. Voilà. C'est ma première petite vidéo, j'essaye, je m'amuse un peu, j'espère que. Moi bon, je vous ai rien appris parce que la ratatouille vous savez faire, mais moi j'espère que vous êtes bien marrés. J'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais voir quoi. Si ça accroche, la première accroche, pourquoi pas en faire une autre. Allez, bisous les mecs, bye! You can take